Tu vas en ex? Hi, how are you? Hi. How long were you in Paris for? For 1 week. Were you traveling on business or pleasure? On business. Anything to declare? No. Thank you. Thanks. Tu vas en ex? Good afternoon. I come from Paris and I am here for working for 2 months. And I have nothing to declare. Vous êtes français, vous? Bienvenue au Canada. Suivant mix. Je m'enverrai raconter l'histoire à tous ceux qui veulent pas me croire. Ouais, le cinéma. Bah, tu vas où? On va pas y aller. Ah non, on est là. Vous connaissez vraiment pas la ligne en France? Non. Nous, on connaît la queue et on la fait pas. Crise de mots, tu France. Puis il reste combien de temps, ton chum? Mon ami, encore 2 semaines. Il part demain faire du chien de traîneau dans le Grand Nord. Ah ouais, il y a encore de la neige. Où ça? Près du Mont Tremblant, je crois. Et Stéphane, tu sais comment ils appellent ça? Une chaudière. Ils appellent ça une chaudière. Jamais de ça, les gars. Qu'est-ce qu'il dit? Il se demande pourquoi tu ne lui as pas laissé de pourboire. Ouais, je m'en fous, je me casse en 2 semaines. Les dossiers. En passant pour mon poste à l'étranger, s'en êtes-vous? Ah oui, je ne vous ai pas oublié. Je vous envoie ici, à Montréal. Montréal? Mais c'est pas l'étranger, ça. Mais si. Vous avez parfait votre anglais. Et puis, la nature, les espaces, les lacs. Vous aimez ça, non? Les Français ont un avis sur tout. D'après vous, madame? Je sais pas. Vous m'écoutez quand je parle? Je viens de dire, les Français ont un avis sur tout. Qu'en pensez-vous? Ah oui. Les Français ont un avis sur tout. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Il faut avoir un avis, c'est tout. Et rappelez-vous aussi la règle numéro 4, les Français ont le dernier mot. Les Français ont le dernier mot. Bravo. Bon, c'est la pause, retour dans 10 minutes, précise. Thank you.
Octobre, Bernard, qu'est-ce qu'il a fait là? Québec. Oui. Le Grand Nord, les lacs, les Indiens. Devine-moi. M'offrirais-tu un café une fois? Ah non, je vois pas. Mais si, laisse encore. Martinique? Mais non. Tu es prêt? Suisse? Mais non. Belgique une fois. C'était pas trop facile. Ah ouais, bien. Ça sonne vrai. Ouais, bon. Je traîne encore un peu. Hein. Tu pars quand? La fin des cours, début janvier. Oh, skidou, les traîneaux à chien, vénard. Pour vous? Ouais. Faut que j'y aille, le cours va commencer. Bye une fois. Vous êtes en retard? Excusez-moi, j'ai pas vu l'heure. Surtout ne vous excusez pas. Ceci nous amène à la règle numéro 5. Les règles ne s'appliquent qu'aux autres. Bon, prenez votre manuel sur les excuses, le rouge. Tiens, tiens, lecture intéressante, donnez-moi ça. S'intégrer au Québec. Regardez ça tous. L'exemple parfait à ne pas suivre. Vous n'y arriverez jamais comme ça. Regarde, je suis allé sur Internet, puis j'ai vu qu'on va vraiment arriver à la saison la plus froide de l'année. Ça va être couvert de neige. Et il va vraiment faire fret, comme ils disent là-bas. J'ai vraiment hâte de rencontrer nos cousins du Québec. Et toi? Hein, moi? Oui, oui, bien sûr. En tout cas, j'ai lu les œuvres de Michel Tremblay, c'est vraiment super. Gastronomie. Un autre domaine de suprématie de la France. Sentez-moi ça. Savez-vous ce qui vous attend au Québec? Du fromage en pot. Caractéristiques. De couleur orange douteux. Il ne coule pas. Période de conservation illimitée. Inodore. Sentez-moi ça. C'est un doc, ça? À ton avis. Vous venez quoi? Chien chaud. Ok. Steamé ou toasté? Comme ça. Plain ou agresse? Rien dedans. Pour ici ou take out? Pour ici. Et je croyais qu'on parlait français ici. Miss Peabody naquit un jour où il faisait nuit. Par un manque de chance, elle tomba du lit. Elle roula par terre, de son corps circulaire ne put se ramasser.